Talk is going to be called Law Enforcement Are Hacking the Planet by Joseph Cox. Joseph is an investigative journalist for Vice's Motherboard. Ce talk s'appelle donc Law Enforcement are Hacking the Planet, les forces de l'ordre hackent la planète. Joseph Cox, il est chercheur en sécurité. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de lui. Moi, en tout cas, j'avais déjà entendu parler de lui. Et quand j'ai vu que j'allais présenter sa conférence, j'ai reconnu son avatar immédiatement, mais pas son nom. Donc, sans plus attendre, Joseph. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment est-ce que vous réagiriez si le FBI débarquait des États-Unis en Allemagne, se pointait au Parlement et disait, nous disons, Hambourg, ouvrait la porte à coups de pied et présentait leur demande? Ils n'ont pas été invités par les forces de l'ordre allemandes, ils agissent de leur propre chef. Ils débarquent, ils rassemblent des preuves et ils retournent aux États-Unis. Vous dites probablement que ce n'est pas idéal. Pourquoi est-ce que le FBI débarquerait dans un autre pays et chercherait des preuves ou arrêterait des suspects sur place? Grosso modo, c'est quand même ce que le FBI fait sur le plan digital. Le FBI ne se prive pas pour entrer dans les ordinateurs dans d'autres pays, extraire des données et les envoyer à l'ordinateur en Virginie ou où qu'il soit. Alors, on ne parle pas ici d'une agence de renseignement comme l'NSA ou le GCHQ qui ont une mission d'espionnage et qui vont donc hacker des gouvernements. Ici, on parle d'une équipe d'une agence dont le principal rôle, c'est quand même le maintien de l'ordre. Et cette équipe hack des ordinateurs dans d'autres pays dans le cadre de leurs investigations criminelles. Je vais parler en particulier d'une affaire par le FBI, je parlerai brièvement d'une autre affaire et je parlerai également de comment les agences de force de l'ordre locales en Australie ont hacké des ordinateurs aux États-Unis. Alors, à l'heure actuelle, c'est des méthodes qui sont surtout utilisées dans le cadre du dark web et notamment des affaires de trafic d'enfants ou de pornographie enfantine. Mais ça s'applique à d'autres choses comme tout ce qui va être cybercriminalité, le trafic de drogue sur le dark web. Mais en ce qui me concerne, pour l'année passée, je me suis surtout intéressé aux méthodes des agences de force de l'ordre en matière d'utilisation de malware ou d'exploitation de failles. En août 2014, une nouvelle enquête sur la pédopornographie sur le dark web a été lancée qui s'appelait Playpen. Et c'était un site sur lequel les gens, bien sûr, communiquaient de façon complètement anonyme sur Tor. Le site était hébergé on ne sait pas où, et du coup le FBI ne pouvait pas débarquer chez l'hébergeur et ne pouvait pas saisir les données. Après quelques mois, Playpen est devenu le plus gros site d'hébergement de pédopornographie de tout le dark web, avec une moyenne de 11 000 personnes uniques par semaine. Alors bien sûr, le FBI cherche à rentrer là-dedans, ils se mettent sous couverture, mais il y a eu un moment où une autre agence de force de l'ordre d'un autre pays, pas des États-Unis, on ne sait pas laquelle, a fourni au FBI l'adresse IP réelle des serveurs qui hébergeaient ça. Alors, ça a pu être permis parce que l'administrateur système qui s'appelait Stephen Chase avait simplement fait une erreur de configuration et son adresse IP, l'adresse IP des serveurs a été publiée. Donc, le FBI, bien sûr, avec cette information, trouve l'hébergeur, obtient un ordre du juge saisit les serveurs et prend le contrôle des serveurs de Playpen. C'était très facile de trouver des preuves parce que le propriétaire du site avait payé sa facture d'hébergement par PayPal où il avait dit son réel nom. La morale, c'est si vous allez faire des choses illégales comme de la pédopornographie, n'utilisez pas votre vrai nom. Alors, c'est pas parce que le FBI a le contrôle des serveurs qu'ils peuvent savoir d'où viennent les visiteurs. Tout ça, ça utilise Tor, donc les visiteurs sont anonymes également. Donc, peu de temps après que assez rapidement, le FBI transfère le site dans un data center qu'il contrôle en Virginie. Le site fonctionne tout à fait normalement et c'est le FBI qui le fait tourner. Le FBI s'occupe de l'animer comme administrateur. Ils encouragent les gens à produire plus de pédopornographie, tout ça pour investiguer, pour enquêter plus. Et le FBI a décidé d'utiliser ce qu'ils ont appelé une network investigative technique, NIT, une technique d'investigation novatrice. C'est tout simplement un exploit qu'ils ont mis dans les pages web qu'ils servaient. Et quand quelqu'un se connecte à ce site, l'exploit est exécuté par le navigateur. On sait que ça a affecté le Tor Browser, le navigateur fourni par le projet Tor. On ne sait pas si ça a affecté Firefox. On n'est pas sûr, parce qu'on ne sait pas grand-chose sur la vulnérabilité qui a été utilisée. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une vulnérabilité qui n'est pas connue du public. Donc, une fois que l'exploit est exécuté par la machine contacte un serveur du FBI, et maintenant le FBI a une adresse IP, une vraie adresse IP. Avec ça, le FBI va avoir le fournisseur d'accès, Comcast, Verizon, etc. Depuis l'adresse IP, il obtient un nom, casse la porte, arrête la personne. Et dans beaucoup de cas, ils trouvent une grosse quantité de pédopornographie sur les machines des suspects. Mais ce n'est pas la seule chose que le FBI a collectée avec leur NIT. Ils ont aussi collecté les noms d'utilisateurs, les hostnames, les adresses MAC, et ils généraient un malware différent par utilisateur du site, ce qui leur permettait, eux, de corréler l'activité sur le site avec ce que leur exploit trouvait. Donc, avec ça, ils pouvaient savoir ce que les utilisateurs faisaient sur le site. Ils pouvaient savoir que l'utilisateur Jimmy parlait à l'utilisateur Fred, ils ont l'adresse IP, ils peuvent voir qu'ils se sont parlé et établir un lien entre eux. Donc le FBI déploie ce malware. Pendant 13 jours, ils font tourner le site. Pendant tout ce temps-là, des centaines de milliers de personnes se connectent à Playpen, ce qui est beaucoup plus que 11 000 personnes par semaine, ce qu'on avait dit. C'est parce que, entre-temps, le site est devenu beaucoup plus populaire maintenant que le FBI le faisait tourner. Tirez dans les conclusions que vous voulez. Alors, au niveau des États-Unis, le FBI a à peu près 1300 adresses d'utilisateurs américains. Europol dit qu'ils ont obtenu à peu près 3000 et quelques adresses d'utilisateurs européens, dont 34 au Danemark. C'est une présentation que j'ai vue, une présentation que j'ai trouvée en ligne sur l'opération qui s'appelait Operation Pacifier, opération tétine de bébé. En Autriche, je crois que c'est une lettre d'un membre du Parlement, un groupe de politiciens à propos des enquêtes en cours sur la pédopornographie. Il mentionne cette opération Pacifier et 50 adresses IP en Autriche. Amérique latine, une autre présentation. Alors là, les forces de l'ordre là-bas étaient... Enfin, en général, j'ai trouvé que les forces de l'ordre étaient vraiment très négligentes à laisser traîner toutes ces informations. Au Chili, j'ai trouvé des informations par de la presse locale qui parlait d'Operation Pacifier et de Playpen. Donc c'était assez facile de se douter qu'il y avait eu des ordinateurs qui avaient été trouvés là-bas. Australie, des informations de la... Cet extrait de la police fédérale qui demande plus d'informations sur Operation Pacifier. C'est pas le résultat de leur requête, c'est une réponse négative à une requête pour plus d'informations à propos d'Operation Pacifier qui avait été envoyée aux autorités australiennes. Vous voyez le topo. Alors, il y a des informations sur la plupart de ces pays. J'ai pas d'informations sur le Royaume-Uni et la Turquie, où il y avait probablement des machines qui ont été hackées aussi. Mais bon. Et on a eu beaucoup d'autres pays qui ont fait surface, notamment dans le mois dernier. Et en tout, le FBI a hacké plus de 8700 ordinateurs dans 158 pays. Et ces 8700 ordinateurs dans 158 pays ont été hackés sans ordre d'un juge, ce qui est probablement illégal. Mais avant de réfléchir à ça, il faut peut-être réfléchir et prendre un peu de recul. Alors, aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle la règle 41, qui régule les recherches autorisées par un juge. Un juge peut uniquement autoriser des enquêtes, des saisies dans sa juridiction. S'il est juge pour un district, il ne peut autoriser des enquêtes et des saisies que dans son district. Il y a quelques exceptions, si c'est pour le terrorisme, s'il y a un mouchard placé sur une personne et que cette personne sort de la limite de la juridiction, etc. Mais bon, globalement, c'est quand même la règle. Et ici, dans cet ordre, cette demande, on peut voir que clairement, la majorité des ordinateurs n'étaient pas dans le district Est de Virginie. Donc dans cette requête que le FBI a envoyée au juge en disant voilà ce qu'on veut faire, merci de signer cet ordre pour l'enquête, il n'y a pas de mention de où précisément sont situés ces ordinateurs. On peut débattre de à quel point il fallait être précis, mais globalement, le FBI s'est contraint de dire, voilà, on a des ordinateurs, on va les hacker. Bien sûr, ils n'utilisent pas le mot hacker, c'est des termes plus techniques, plus juridiques, mais c'est ce qui se dit en essence. Donc la question est, est-ce que le juge comprenait qu'il signait quelque chose qui autorisait une recherche et une enquête et de hacker des ordinateurs hors de sa juridiction. C'est pas une critique du juge, c'est une question qui est technique et qui est difficile et qui a des réponses nuancées. Donc, que Operation Pacifier ait violé la règle 41 ou pas, c'est une question centrale à toutes les procédures judiciaires qui ont été mises en avant comme une conséquence de cette enquête. Les avocats de la défense ont bien sûr sauté dessus comme une forme de défense pour dire que les preuves n'étaient pas recevables. 21 décisions ont trouvé que cette opération violait en effet la règle 41. Et dans un tiers d'entre eux, le juge a rejeté l'intégralité des preuves qui avaient pu être générées à partir d'Operation Pacifier, ce qui a rendu la procédure non applicable dans tous ces cas. Puisque bien sûr, comme la suspicion originale était trouvée à cause d'Operation Pacifier, le fait que le FBI ait saisi de la pédopornographie sur les ordinateurs des gens identifiés par cette opération était une conséquence. Et donc le fait que cette procédure était faite hors du cadre de la loi fait que les saisies de pédopornographie sur les ordinateurs n'étaient pas recevables non plus. If there's a German suspect and they try to challenge the legality of the search, the German police may say, hey, look, we didn't do the hacking, we just got given this IP address by a third party, and then the defense might not have much leg to stand on. But I do know of one lawyer in a country outside the US who is going to challenge the legality of the hacking. Alors, il y a eu au moins un avocat hors des États-Unis qui a décidé de mener une procédure pour contester la légalité de ces opérations hors du territoire américain. Je ne peux pas dire où il est, je ne peux pas dire grand-chose, mais ça va être quelque chose de très, très intéressant qui va se dérouler dans les mois qui viennent. Alors, un peu plus tôt, au début de ce mois-là, il y avait des échanges sur la loi de 41. Donc, par exemple, si aujourd'hui le warrant de charge aurait été signé, ça n'aurait pas été possible de faire les mêmes pas. Ces changes-là à la règle 41 sont venus par l'anonymité d'une réseau Tor. Et par l'enquête du ministère de Justice en US pour les enquêtes dans le réseau Tor qui sont menées. We believe technology should not create a lawless zone merely because a procedural rule has not kept up with the times. Il y a une citation du ministère de Justice qui dit que, en fait, ils ne pensent pas que l'évolution de technologie devrait créer des réseaux extrajudiciaires. Ça conclut l'opération Pacifier, la plus grande opération menée dehors des frontières des US. Et nous passons à la prochaine opération qui s'appelle Opération Torpedo. Elle a eu lieu dans les années 2012-2013. You sign up to the service, the hosts your dark website, it doesn't matter if it's legal or not, whatever. Et ça concernait du hosting intégral de style turnkey. The FBI trying to identify users of 23 different child pornography sites. Et cette fois-là, le FBI a essayé d'identifier les utilisateurs de 23 différents réseaux de pédopornographie. Even the FBI officer, I think it's FBI, writing it, says, oh, if you put this into Google Translate, it means this, it's Hungarian, blah, blah, blah. Le début faisait un site web qui se trouvait en Hongrie, qui a posé des problèmes aux investigateurs américains. Et en fait, sur le site web, il y avait presque 900 postings sur 200 thèmes avec presque 800 utilisateurs. Donc, il fallait analyser toutes ces données, qui était une challenge pour les investigateurs. It's not just the FBI that's using hacking tools to target suspects overseas. A local C'est pas que le FBI qui utilise ces méthodes. Il y a aussi dans la province de Queensland en Australie, il y a une équipe spéciale qui s'appelle Argos de la police régionale. Il n'y avait pas d'annoncement public par cette entité policière où ils ont annoncé le fait qu'ils ont démasqué les opérateurs pédopornographiques, mais ça s'est quand même fait en secret. Alors, ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont pris le contrôle d'un autre site pédopornographique qui s'appelait LoveZone. Ils l'ont fait tourner pas pendant 13 jours, mais pendant 6 mois. Et ils ont utilisé ça pour enquêter sur tous les utilisateurs. On sait que dans cette opération, les Australiens ont obtenu au moins 30 adresses IP américaines. On n'en a pas énormément de détails là-dessus. Et leur mode opératoire était très différent du FBI. Ce qu'ils faisaient, eux, c'est qu'ils envoyaient un lien au suspect qui, soi-disant, contenait un fichier vidéo. Le suspect cliquait ce lien et ils obtenaient un warning qui disait « Attention, vous s'ouvrez un lien qui va vers un autre site. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir continuer ?» Si l'utilisateur cliquait sur « oui », ça emmenait l'utilisateur sur un site tiers où il téléchargeait une vidéo. Et cette vidéo avait un système de callback, contactait un service de la police du Queensland et enregistrait les adresses IP. Est-ce que c'est du hacking? Peut-être, peut-être pas. C'est débattable. une solution technologiquement assez simple. La question de est-ce que c'est du hacking ou pas est assez secondaire au final. Ce qui est important, c'est est-ce que c'était une enquête légale, une procédure judiciaire légale. Est-ce qu'ils avaient un mandat pour faire ces saisies? Donc, clairement, toutes ces histoires sont à propos de pédopornographie, de maltraitance des enfants. Et ces techniques, pour ce qu'on en sait à l'heure actuelle, n'ont jamais été utilisées que dans des affaires de ce genre. Bien sûr, est-ce que dans le futur, ça va changer? On peut imaginer que potentiellement, ça pourrait être utilisé pour d'autres types d'enquêtes. Par exemple, le trafic de drogue sur les sites du dark web. Le dark web contient des sites sur lesquels on ne peut se connecter qu'avec un mot de passe. Et si vous êtes dealer, vous pouvez trouver vos clients dessus. Le document que je montre ici, c'est une étude d'une université qui avait infiltré et analysé des sites de ce genre et qui ensuite avait, avec un mandat, avait pu communiquer cette information à l'FBI. Et le mécanisme était plus ou moins le même. Le FBI avait des adresses IP de gens qui s'étaient connectés à des sites en rapport avec la drogue. Et aurait pu casser la porte et arrêter les gens chez eux parce qu'ils avaient une raison de suspecter que les gens aient de la drogue chez eux. Et cette technique a mené à l'identification de au moins 17 différents marchés noirs sur le réseau Tor. Et était utilisé pour segmenter des différents genres d'utilisateurs sur ce marché, non seulement les utilisateurs, mais aussi des administrateurs, modérateurs et vendeurs. Et ça continue, en fait, l'utilisation de cette méthode dans le réseau Tor. Ça conclut mon talk. Si vous voulez me contacter, je suis sur Twitter, email, etc. Je vous remercie tout le monde. Ça conclut aussi la traduction de moi à Stratégos et... Non, il y a les questions-réponses. Ah, c'est bien que tu me corriges. On y va. Any questions from the audience? Donc, au public pour poser des questions. Thanks for the talk. Really nice. Merci pour le speech, il était excellent. Vous avez présenté des choses, des techniques assez illégaux. Pornography and all of those things, and on the law enforcer side. Now, my question is, did you intentionally mention those really illegal aspects like child pornography to justify the actions of the... Et en fait, vu que la pédopornographie est une issue assez dégoûtante, est-ce que vous avez utilisé ça pour justifier justement l'utilisation de des technologies extrajudiciaires? Alors, moi non, pas spécialement. La raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que c'est dans ces cas-là que les forces de l'ordre utilisent des techniques comme ça, et c'est là qu'ils utilisent leur zero-day. Et à l'état actuel de ma connaissance, c'est utilisé que dans des affaires de ce style. Donc, j'ai pas choisi ces affaires. C'est les affaires dans lesquelles ce type de méthode est utilisé. Et c'est ce type de méthode qui m'intéresse et ce type de méthode dont je veux parler dans mon talk. Est-ce que vous pensez que c'est justifié d'utiliser ce genre de technique dans la recherche de criminaux de ce genre? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'intrinsèquement mauvais dans le fait que les forces de l'ordre puissent hacker, mais même si je pense que la pédopornographie est quelque chose d'absolument répugnant, je veux aussi que les forces de l'ordre respectent la loi. Il y a du applause sur ce point-là. Any other questions? Anybody from IRC? Est-ce qu'il y a plus de questions? Est-ce qu'il y a un membre du IRC? Well, I wanted to ask probably the same question whether it's dubious from the moral point of view. Je voulais poser la même question. Est-ce que c'est doutable d'un point de vue moral? Can be questioned and should be rearranged. There is not much ethical discussion whether this should be done or not. Et en fait, ce qui me manque, c'est un peu le débat éthique. Est-ce qu'on devrait faire ce genre d'investigation? J'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. D'abord, avant de répondre sur ça, je devrais clarifier. Je suis journaliste, je ne suis pas activiste. Donc, je ne pense pas que ce soit mon rôle de dire ce que comme la société devrait être. Cependant, pour répondre à la question, je pense... Par exemple, Mozilla travaille pour empêcher ce genre d'attaque de déanonymisation. Et Tor également. Bien sûr, c'est pas suffisant et j'ai pas les techniques en tête. Mais j'ai écrit, dessus, vous pouvez lire dessus. Pour répondre à la question de façon plus générale, il y a des solutions techniques que les gens mettent en œuvre et qui vont prendre effet rapidement. Mais qu'est-ce que l'FBI fera suivant? L'FBI déploiera des nets. L'FBI hackera les ordinateurs, cherchera des preuves et ensuite contactera ses serveurs. Si une récipée ne suffit pas, ils trouveront les preuves comme ils pourront. In your background research on law enforcement using technology like this to target child porn sites. Dans votre recherche pour investiguer l'utilisation de technologies sur la pédopornographie, est-ce qu'il y a d'autres forces de l'ordre dans d'autres pays que vous avez rencontrés qui ont le plus haut standard d'utilisation de technologie et de la façon comment ils le font, c'est suivant la lettre de la loi. Par problème, vous voulez dire le fait que les forces de l'ordre agissent hors du cadre de la loi? Eh bien, quand on parle, si on parle de malware en particulier, j'ai pas vu beaucoup d'éléments en public, mais par exemple au Royaume-Uni, le GCHQ, l'agence de renseignement du pays, a déclaré qu'ils utilisent de l'interception de masse, des surveillances, des capacités à surveiller en masse le public, et qu'ils cherchent également à trouver des traces des adresses IP, des services cachés sur Tor. Donc on est déjà dans un cas assez extrême ici d'action par les agences de force de l'ordre. Et ils ont trouvé 50 de ces services dans les 18 derniers mois via cette interception de masse. Hi, I was wondering, because you mentioned bulk analysis, which I consider to be significantly worse than targeted. Prochaine question. Vous avez parlé de l'analyse des données en masse. Est-ce que je considère beaucoup plus pire que des investigations individuelles? Pourquoi tu penses que c'est injuste d'investiguer des criminels qui font des choses tellement déplorables? Pourquoi vous les jugez et comment vous pensez que les cours peuvent créer de la loi qui permet de la persécution extrajudiciaire ou dehors les frontières d'un pays pour le faire, pour le persécuter plus effectivement? Some senators in the US did propose the Stop Mass Hacking Act. Alors, il y a des sénateurs aux États-Unis qui ont proposé le Stop Mass Hacking Act, la loi contre le hacking de masse, qui visait à interdire ce genre de traitement de masse, mais ça n'a pas marché. Et je pense que ça n'a pas marché parce que, comme vous le dites, ces criminels doivent être attrapés. Et quand les sénateurs ont dit « il faut qu'on arrête ces méthodes extrajudiciaires, il faut qu'on arrête les analyses de masse et les captures de données de masse », ils n'ont pas proposé d'alternative. Et le problème n'est pas qu'à l'heure actuelle, il y a une règle écrite qu'il faut changer. Le problème est plus qu'est-ce qui va se passer quand le FBI va trouver quelqu'un qui est un officiel haut placé du Kremlin Russie ou un membre du Parlement européen? Est-ce que le FBI va y aller quand même? Et au niveau de la souveraineté, qu'est-ce que ça implique? Donc ça, c'est cette espèce de problème qui plane au-dessus de nos têtes et qu'il va falloir résoudre. Merci. Applaudissements pour Joseph Cox.